Bonjour. Nous allons effectuer la visite de notre département. J'espère qu'au cours de celle-ci, nous allons faire mentir, pour une fois, Einstein, qui affirmait « J'ai mis 20 ans pour oublier tout ce qu'on m'avait appris à l'école. » Issu du premier cycle INSA et muni d'une solide formation générale dans les domaines scientifiques, les élèves ingénieurs optent pour l'une des deux options proposées au sein du département de génie électrique, automatique, électronique, informatique ou informatique industrielle. Une école, c'est avant tout des cours, près d'un millier d'heures par an. Une part conséquente de ces heures est dévolue aux manipulations et travaux pratiques. Progressivement, l'élève ingénieur appréhende des montages de plus en plus complexes. Et c'est dès la troisième année que les bases de l'automatique sont abordées. Cette commande de latitude se fait par une commande intermédiaire de l'assiette qui est elle-même commandée par le gouvernail de profondeur. Nous avions établi le schéma bloc qui représente ce système-là. Ce schéma bloc fait intervenir deux boucles et la fonction de transfert en boucle ouverte de cette première boucle interne est représentée par cette expression. L'informatique, bien sûr, outil indispensable, est largement utilisé, et de manière particulièrement approfondie pour l'option informatique industrielle. Les connaissances théoriques acquises permettent rapidement de donner lieu à des mini-projets où l'élève ingénieur, quelle que soit son option, est confronté à des problèmes concrets. On va vérifier d'abord les pompes de polarisation. Alors vous multipliez donc la tension de polarisation 12 volts alors, par le rapport suivant, 270 par la somme 270 plus 200. En quatrième année, on affine les connaissances théoriques. Phénomène d'oscillation forcée ou phénomène de synchronisation est un phénomène essentiellement non linéaire. Chacun d'entre nous le met en jeu lorsqu'il tourne le bouton d'un récepteur pour capter sa station préférée. Parallèlement, les TP et mini-projets tendent vers la réalisation de véritables produits industriels. Être ingénieur, c'est bien sûr posséder des compétences techniques, mais aussi et surtout maîtriser les techniques modernes de la gestion et de la communication. C'est énorme, hein. Mais je me demande si c'est quand même rentable parce qu'on dépense beaucoup, beaucoup pour le personnel. T'as vu les représentants? Ouais. Ben, il faudrait pas qu'on la pub aussi. Of two soldiers in plain clothes. The journalists who were also Länderturnier mit den Fußballmannschaften aus Argentinien, Deutschland, Schweden und Sowjetunion statt. Gestern war ich in Berlin. Berlin ist wirklich. La entrada de España en el mercado común inició una guerra de palabras, sobre todo entre los agricultores. Las reacciones frente a este acontecimiento.
la vie universitaire et le climat toulousain permettent de développer le sens des relations humaines. Les semaines s'égrènent, les TPs et les cours se succèdent et des interros viennent ponctuer régulièrement la vie de l'étudiant. Malgré tout, les bons élèves parviennent à leur cinquième et dernière année de leur scolarité. Des cas d'école à l'intégration milieu industriel, il n'y a qu'un pas. Les élèves ingénieurs le franchissent à l'occasion du stage de fin d'études en 5e année. Tous les secteurs d'activité industrielle sont concernés. Depuis la traite automatisée des vaches, jusqu'à la chaîne de peinture robotisée des nouveaux Airbus A320, en passant par le pilotage en temps réel de processus chimiques. Nous avons demandé à trois ingénieurs INSA, issus du DGE, en quoi leur formation typiquement INSA leur a été utile. Je pense que ma formation INSA a été déterminante sur deux niveaux.
Donc dans la fonction que j'occupe actuellement au sein de cette PMI, tout d'abord à travers la polyvalence de l'enseignement que j'ai reçu au département et qui peut me permettre quotidiennement d'assurer la gestion de projets qui mettent en œuvre des domaines de la technique très variés qui ne sont pas forcément ceux de l'électronique, de l'informatique. Je pense que cette pluridisciplinarité est indispensable à l'ingénieur pour pouvoir parler le même langage avec les sous-traitants ou les techniciens dont il est responsable. Le deuxième atout de la formation est l'entraînement qui est fait au niveau du travail de groupe à travers les mini-projets, les travaux pratiques et les travaux dirigés où l'étudiant travaille en binôme ou en petite équipe. Donc cet apprentissage au travail d'équipe est indispensable à l'ingénieur qui doit forcément, dans son activité, assurer la répartition des tâches au sein d'un projet et surtout assurer une coordination en fonction des différentes phases d'avancement du projet. L'enseignement qui m'a été dispensé au sein du département de génie électrique m'a permis dans un premier temps de m'adapter à un travail purement informatique qui consistait à concevoir des logiciels de test au sol de satellites, ce qui n'était pas la vocation première du département. Et dans un deuxième temps, d'occuper des fonctions à l'intégration proprement dite des télescopes du satellite SPOT. Ces fonctions requièrent des connaissances diverses en électronique, mécanique et optique. Pour cette fonction en particulier, ce sont les deux premières années de l'INSA qui m'ont le plus servi. Ces années où l'on apprend à être un petit peu un touche-à-tout et qui permettent à l'ingénieur INSA d'être un élément pour l'entreprise autonome et capable d'encadrer des techniciens spécialisés dans divers domaines, de les comprendre et de trouver des solutions à leurs problèmes. Alors ces deux années qu'on nous reproche bien souvent, parce que nous n'avons pas subi l'épreuve du feu que représentent MathSup et MathSpé, sont en fait, je crois, notre originalité. À mon entrée dans l'entreprise, j'ai d'abord occupé des postes à fort contenu technique. J'ai ensuite évolué vers des postes de conduite de groupe technique, puis de conduite d'atelier de fabrication. Pour ces postes, la gestion des ressources humaines était particulièrement importante. Était important aussi les coûts de fabrication et j'ai dû m'intéresser à des notions de gestion financière. Étant en contact très fréquemment avec des clients, je dois négocier des prix, négocier de nouveaux projets et être capable de faire preuve de capacité en marketing et en négociation. L'enseignement de l'INSA, ouvert sur la gestion, ouvert sur les ressources humaines, ouvert sur les langues, est particulièrement bien adapté ou m'a particulièrement bien préparé à l'évolution de ces postes et m'a permis de progresser dans l'entreprise. La visite est terminée. Eh bien, je vois que vous avez visité les laboratoires, les salles de cours, et même vous êtes allé assister à un examen. Pour conclure, je souhaiterais mettre l'accent sur les constantes d'une école d'ingénieurs. Un des rôles essentiels d'une école d'ingénieurs est d'être à l'écoute des besoins industriels pour pouvoir répondre le plus rapidement possible. Aujourd'hui plus qu'hier, l'école a un rôle primordial. Et cette collaboration entre entreprises et le département peut prendre multiples formes. Premièrement,